On est tipeur. Ah, GG. Ouais, GG les gars, hein. Bien joué Nox. C'était très beau à voir. T'as vraiment pris du niveau, hein, la vache. C'était sympa, ouais. Alors, Sora versus Akemi, un match d'anthologie. Si je puis dire ça, c'est un match que j'ai pas vu très souvent, pour être honnête. Et que j'aurais bien aimé voir et que je vais justement pouvoir voir, donc ça me stimule. C'est parfait. Alors, voyons voir. Oula, les deux. Sora, Akemi, hein, on sait, attention, le. Ouais. Ok, Lamivia alors. Pro des mix-up contre le bourreur singe. Voilà, exactement, et qui est en train de se faire bourrer là, ouais. Ça fait les svites, on voit qu'il y a un peu de lag, mais c'est normal, ouais. Hein, France-Japon. Ça fait un burst dans le dust pour éviter. Attention, on sait que Sora. Ouais. Sora et surtout les Léo adorent envoyer des DP à tout bout de champ. Contre Milia, c'est extrêmement. Et même parmi les Léo, Sora adore DP. Il DP plus que la norme. Même... J'ai jamais vu un Léo DP autant. Alors là, 30 ans que je lis DP Magazine, jamais j'ai vu un Léo pareil. Hein, ça. Ah, mais pareil. Mon dieu. Bon, alors, belle shop, il y a là. Mon gars, Flash Kick Magazine, là, ça y va. Hein. Putain, tu m'étonnes. Allez. Ça envoie les. Ça veut obtenir le saut, le jumping pour ensuite pouvoir punir au DP. Très bien joué côté Akemi. Et ça envoie des DP dans tous les sens. Sora est chaud. J'avoue, là, il est chaud, mon pote. Attention, la chop qui ne passe pas. Aïe. Ok, belle conversion. Il va peut-être réussir à avoir le wall break. Il a pas eu, mais bon, au moins, il a escorté son adversaire dans le. Il a pas réussi à avoir le wall break beaucoup de dégâts contre le mur qui va donner le wall break. Et malheureusement, il a pas eu le wall break. Et là, il s'est fait choper, ouais. Donc, premier match, go pour Sora. Ah, ouais, c'est vraiment dommage. Il a pas eu le wall break, quoi. Dommage. J'ai encore eu un des synchros, moi, du coup. Il a fait le coup en wall break. Ah, mais j'ai des synchros sur tous les matchs. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais, j'avoue. Alors, voyons voir. Ah, bah là, je me suis encore fait jarter du spec. Ah, ouais, merde. Très mauvais match, pas assez de DP. Bon, tu veux plus de DP, Poupoupidou, t'inquiète. C'est que le deuxième match là. Bah, tu peux regarder du coup en regardant ma rediff sur Discord. Ouais. Ah, tu l'as fait sur Discord? Ouais, je l'ai fait sur Discord, je stream les matchs sur Discord. Donc tu peux regarder aussi. Moi je te vois surtout, je te vois uniquement streamer sur Twitch, mais pas sur Discord. Mais. Ah non, t'as raison, attends. Non, je suis bête. My bad. On espère que ça va. Ok, voyons voir. Donc, un DP de la part de Sora. Noxaria has left the room, there are 5 players in the room. Ok. Bon, ouais, merci beaucoup, Snox, et à la prochaine. Enfin, si tu es encore dans le stream, merci. Bon, alors, du coup, on a Sora qui remporte. Bon pressing de Sora là dans le mur, ça a bien su gérer entre les gravires de Vourde et les 2S HS. Ouais. Là, ça envoie le DP encore une fois qui va en plus inverser les positions et envoyer Akemi droit dans le corner. Ça envoie les gravires de Vourde. Hein, ce bait du burst. Fallait faire la super là. Ouais, très bon air-to-air là. Il a réussi à choper, à pêcher du coup. Ah. Il a réussi à choper Emilia, à finir son fromage dans le coin, donc 2-0 pour Sora. Il a réussi à le choper, à finir son fromage, même avec un petit lag. C'était assez folklore, je sais pas comment il a réussi. Ça c'était folklore, c'était bien joué, ça avait le temps de faire le CS. Ok, nice, la sweep. La sweep de Léo, hein, vraiment très très forte, ça ressemble pas du tout à l'eau, c'est pour ça. Ah mais carrément, c'est un truc de ouf. Ok, DP de la part de Sora, normal. Ça serait pas un Sora s'il ne DP pas. Ok, voilà, la rose qui permet de réduire le gap entre du coup Sora et Akemi. Malheureusement, Sora qui immédiatement renverse du coup le momentum et en position. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'était que ça? Le turbulence qui touche pas. Ouais. Ça a bien joué. Akemi qui a vu que Sora attendait n'importe quel coup pour pouvoir punir, et heureusement pour Akemi, le Iron Savior ne peut pas se faire shield, ne peut pas se faire pari, mais ça n'a pas empêché Sora de gagner le round avec un gravier vent plus tard. Ouh, cette shop spé, regardez les dégâts, va faire des bons dégâts. Et le bon bait de la burst, mais il n'a pas réussi à la punir là, malheureusement. Le Gold Burst a l'air d'être vraiment assez dur à punir, mine de rien. C'est assez étrange. Ça chope sur le tandem top HS hein, qui va permettre de corner carry un petit peu. Malheureusement, encore un bon DP qui va inverser les positions. Sans sa zone au gravier de Vourde. Attention cependant, hein, faut pas en faire trop. Le DP qui remet, qui dit non Akemi, tu restes dans le coin parce que je l'ai décidé ainsi. Et ça fait les bons trucs. Attention, le 2S qui est un low et ça permet.